Et bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, nouveau bike à tester sur la chaîne. Nouveau bike, nouveau bolide de la marque Enjoy, modèle M20, version 2 batteries s'il vous plaît, puisqu'on en a une en haut et une en bas. Je vais bien sûr vous détailler tout ça durant cette vidéo. Comme d'hab, ça va se passer en deux parties. Première partie, je vous parle des specs du vélo. Deuxième partie, on ira faire un petit ride avec. Bien évidemment, avant cela, je ne vous demande pas si vous êtes abonné à la chaîne, puisque tout le monde l'est déjà et ça, ça fait plaisir. Mais si toutefois ce n'était pas le cas, sachez que vous avez un bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et c'est totalement gratuit. Si vous avez des commentaires, ça se passe sous la vidéo, je vous répondrai. Je prends mon téléphone puisque comme d'habitude j'ai noté pas mal de choses. Alors je vous l'ai dit, on part sur le modèle M20 de la marque Enjoy. Et franchement, bon niveau design, vous le voyez, il est juste magnifique. On a une petite moto dans les mains. Comment on pourrait qualifier ça? Alors je dirais pas que c'est un chopper, parce qu'un chopper c'est plus genre Harley il me semble. Un Piwi, c'est un peu plus petit que ça, mais on part sur le même design. Voilà, c'est un petit peu plus gros qu'un Piwi. Bon, quand même bien plus grand. Hein. Je sais pas si vous avez connu les Piwi à l'ancienne. C'était des toutes petites motos. Mais ouais, franchement, on part sur un mélange de mobilette, moto, vélo à la sauce 2024. Et il est juste super. Des roues, vous le voyez, en 4 pouces de large, 20 pouces de circonférence. Un cadre en alliage d'aluminium, de couleur verte, vert émeraude un petit peu. Franchement, il est juste magnifique. D'ailleurs, petit point sur l'unboxing. Vous le voyez, bah, le vélo est arrivé nickel, hein, franchement. Hein. Voilà, des fois, ça peut arriver que je reçoive des vélos avec deux, trois petites éraflures ici et là. Mais là, non, là, vraiment, il est nickel. La peinture est bien finie, les soudures sont bien finies. Donc, franchement, ça respire la qualité. Gros phare à l'avant. Là, on a deux gros phares à l'avant qui éclairent vraiment très bien, les mecs. Alors, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des phares de grosses bécanes, hein, voyez. Mais voilà, ça éclaire relativement très, très bien. Ça éclaire bien mieux que les phares traditionnels de vélo. Sachant qu'on en a deux. À l'arrière, on a un feu également. Donc tout ça va être dépendant de la batterie, pas de pile ou de recharge USB ou je ne sais quoi. Non, ça va directement venir tirer sur les batteries du vélo. Donc ça, c'est cool. Amortisseur hydraulique à l'avant, amortisseur pneumatique à l'arrière. Et franchement, on se sent bien sur le vélo. Alors, j'ai pas trouvé que ça secouait ou quoi. On va reparler du confort quand même avec cette selle. Hein. Mais voilà, au niveau des amortisseurs, ça fait le taf. Peut-être celle-ci, va falloir la faire travailler un petit peu. Le vélo est tout neuf, il sort tout juste du carton, forcément. Parlons confort, parlons selle. Alors, vous le voyez, on a une selle type moto sur le vélo. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, bon, lorsque tu montes dessus, déjà, tu te sens comme sur une bécane. C'est pas compliqué à monter dessus, hein. Tac, voilà. Alors, par contre, il n'y a pas de réglage en hauteur. C'est-à-dire que ça convient pour des personnes qui vont mesurer de 1m55 jusqu'à 2m10. 2m10, ça me paraît assez petit, 2m10, hein. Voilà. 2m10, à mon avis, t'as l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes, tu vois. Après, voilà, quand tu t'assois sur le vélo, clairement, t'as une position comme sur une moto, hein. C'est, voilà, t'as une position sportive et tout. La selle, au premier abord, peut te paraître confortable, une fois que tu t'assis dessus. Par contre, une fois que tu vas faire tes premiers kilomètres en pédalant, là, pour le moment, j'ai fait 9 km avec le vélo, ce qui n'est rien du tout, hein. Et bah, durant ces 9 km, j'étais déjà en train de danser sur le vélo pour chercher à obtenir la meilleure position, tu vois. Voilà, et quand je commence à danser, c'est que c'est pas bon, tu vois, voilà. C'est qu'il y a anguille sous roche, il y a un truc qui va pas. Donc c'est vrai que niveau confort, alors, pas de souci au niveau confort si tu te déplaces juste en accélérant, comme une moto. D'ailleurs, on a une poignée d'accélérateur type moto, donc c'est vraiment pas de truc au pouce ou quoi, pas de petite poignée sur le côté, c'est toute la poignée qui vient tourner. Donc si tu te déplaces comme ça, juste avec la poignée, aucun problème pour le confort. Voilà, t'es comme sur une moto, donc pas de problème. Par contre, dès lors que tu commences à pédaler, il faut pas oublier que la selle, elle est quand même assez large. Tu vois, on part sur un truc, on part sur un truc de bécane, les mecs. Hein, voilà, genre une petite 50 ou quoi, un truc comme ça, un booster. Mais voilà, va tenter de pédaler sur un booster, par exemple. Tu vois, tu vas commencer peut-être à avoir les cuisses qui frottent ici ou je sais pas. Tu vois. Voilà, il y a une certaine gêne quand même qui s'installe au niveau du confort. Ça, c'est à noter. Après, je parle de mon utilisation personnelle. Voilà, tout le monde n'aura pas le même avis que moi, forcément. La selle est quand même bien raide. Donc voilà, hein, c'est une selle rigide. Hein. Voilà, c'est une selle de moto, les mecs. Niveau confort en pédalant, je suis mitigé. Niveau confort juste en accélération, nickel. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Donc ça freine très bien. Les freins sont vraiment très bien réglés. Hein. J'ai eu aucun problème. On a un dérailleur Shimano à l'arrière à 7 vitesses. C'est du grand classique, hein, avec le levier de vitesse qui se trouve sur le guidon ici. Un beau compteur LCD. Alors, un beau compteur LCD avec les informations qu'il faut, où il faut et pas plus. Voilà, c'est très basique, hein, mais ça fonctionne. C'est le principal, c'est tout ce qu'on lui demande.
demande. Vous avez bien sûr votre vitesse en kilomètres heure. Vous avez le mode d'assistance électrique de 0 jusqu'à 5. Vous avez le nombre de kilomètres parcourus en tout avec le vélo. Vous avez le nombre de kilomètres que vous avez fait depuis votre voyage. Vous avez votre vitesse max et vous avez votre vitesse moyenne. Et bien sûr, l'indicateur de la batterie, qui, je vous le rappelle, sont au nombre de 2. Charge maximale, 120 kg. Donc, si vous êtes des petits gabarits, alors vraiment, il faut être des petits gabarits là pour le coup. Hein. Mais voilà, si vous êtes des petits gabarits, vous pouvez monter à 2 dessus, pourquoi pas. Voilà, franchement, ouais, il y a la place. Hein. Bon, je vous dis pas, moi, avec mon gros pétard, voilà, il reste plus beaucoup de place à l'arrière pour quelqu'un, tu vois. Mais ouais, si tu fais l'effort, tu vois, tu t'avances un peu, voilà. Il reste à l'arrière un peu de place, pourquoi pas. Poids du vélo avec les deux batteries, 38,5 kg. Donc, on n'est pas léger là. Forcément, on a deux batteries, ça joue sur le poids du vélo. Donc voilà, on part sur un vélo qui fait presque 40 kg. 38,5 kg. Niveau d'étanchéité IP2, alors ce sera pas fait pour faire de la plongée sous-marine, mais logiquement, voilà, petite pluie ou quoi, vous pouvez faire du vélo sans problème. Même si je serais d'avis à revoir les joints au niveau des fils des phares. Voilà, si vous voulez faire du vélo sous la pluie ou quoi, voilà, j'ai pas bien confiance en ces joints. Ça tiendrait qu'à moi, je les referais. Là, le vélo est tout d'origine. Pour eux, c'est étanche IP2. Mais voilà, j'ai un doute. Après, le moteur, nickel. Le contrôleur, il est sous la selle, donc pas de souci. Si vous voulez être rassuré, vous pouvez refaire les joints au niveau du contrôleur. Mais normalement, c'est nickel pour en faire sous la pluie. Même si c'est pas très agréable de faire du vélo sous la pluie. On a un moteur de 750 watts à l'arrière qui peut faire des crêtes jusqu'à 1000 watts. On a deux batteries de 13 ampères chacune. Donc là, j'ai la version deux batteries, mais vous avez également la version une batterie. 13 ampères à chacune. Eux, ils annoncent une autonomie de 110 km en mode pur électrique et 150 km en mode pédalage assisté. C'est pas déconnant parce que bon, moi, avec mon Enjoy EP2 Pro qui fait 13 ampères, j'arrive à faire en moyenne, ouais, je peux faire 70 bornes. Voilà. 70 bornes, mais attention, le vélo, il revient sur les rotules et moi, je l'ai quand même pas mal aidé. Voilà. Je l'ai aidé modérément, on va dire. Mais ouais, je peux faire 70 bornes. Donc 2 fois 13 ampères, tu comptes 70 fois 2, 140. Donc eux, ils annoncent 150. Voilà. Moi, je tablerai plus pour être confortable sur 120 à 130 km en mode pédalage assisté. Et en mode uniquement axel, alors là, ça va dépendre vraiment de la vitesse que vous mettez sur le vélo et du poids que vous allez mettre sur le vélo. Mais si vous mettez vitesse 5 et en mode axel, jamais de la vie, vous ferez 110 km, les mecs. Hein. Jamais. À la rigueur, vous allez faire 60, voire 70 bornes. Mais grand max, pas plus. Si vous roulez à fond tout le temps. Après, si vous roulez modérément, ben forcément, tu vas augmenter l'autonomie. On a un temps de charge de 10 heures. Donc, 10 heures pour recharger les deux batteries, bien sûr. 5 heures par batterie. Le vélo va être capable de monter des pentes à 10 degrés. Alors, ça me paraît pas énorme, 10 degrés sur le papier, pour un moteur de 750 watts qui est capable de faire des crêtes à 1000 watts. Donc ça, c'est sur le papier, 10 degrés. Hein. On va tester tout à l'heure des montées et tout. Mais c'est vrai que niveau accélération, il est très, très smooth, les mecs. On a une accélération qui est très progressive. Vous allez le voir lorsqu'on va partir en ride avec tout à l'heure. Mais par exemple, il faut un coup, voire deux coups de pédale pour qu'il se lance. Tu vois? Et on part sur une accélération qui est vraiment très, très progressive. Même si vous le mettez en vitesse 5. Après, une fois qu'il se lance, le vélo, il se lance. Hein. Voilà, j'ai pas parlé de la vitesse max d'ailleurs. Mais vous pouvez monter le vélo jusqu'à 50 km/h. Une fois qu'il est bien chargé à bloc. C'est ça, parce que bon, je l'ai monté à peu près 48. Voilà, en pédalant bien comme il faut, la tête dans le guidon. Voilà, 47, 48 par là. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a assez parlé. Il est temps de partir en ride. Si, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais bah ça nous vient de chez Enjoy, hein, de toute façon, c'est marqué dessus. Voilà, si le vélo vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description. Je n'ai pas parlé tarif également. On est sur un vélo à 1 400 € pour la version de batterie. Donc bah voilà, c'est le prix, les mecs, hein. C'est vrai que ça fait un peu cher. Alors j'ai pas parlé du klaxon également. Voilà, bon, petit klaxon correct. Il est très correct. Un petit peu bruyant, mais ça va, c'est pas non plus un klaxon de TGV. Bon allez, cette fois-ci, on part en ride. Et bah, c'est parti mon gars, let's go. C'est parti, on part en ride avec le vélo. Et comme je vous l'ai dit, on va tester l'accélération du vélo. Et vous allez voir qu'elle est très smooth. Alors là, je vais pas utiliser la poignée d'accélérateur. Et je vous dirai lorsqu'il se lance. Hop, un tour de pédale, hop, il se lance, voilà. Et là, regardez, c'est très, très progressif. Bon, par contre, tu vois, quand il se lance, hein. Voilà, après, il faut le calmer, mais... Bon, après, voilà, là, je suis en vitesse 2, j'atteins les 27 km/h. Donc, vitesse 1, c'est largement suffisant. Mais je refais un essai, ouais, il faut un tour de pédale, un bon tour de pédale pour que le vélo se lance. Regardez, j'utilise pas la poignée d'accélération. Ouais, trois quarts de pédale. Trois quarts à peu près. Pas un tour complet, mais quasiment.
Là, je suis en vitesse 1 et donc je suis à 21 km/h. Voilà, et c'est largement suffisant pour se balader, hein. Alors bon, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la selle, ça dépend comment vous allez vous positionner en fait, hein. C'est vrai que, voilà, au niveau pédalage, je suis assez mitigé sur le confort. Après, c'est sûr que si vous vous mettez comme ça et que vous utilisez le truc comme une bécane, bah là, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais si tu veux faire un peu de vélo, je dirais pas que c'est inconfortable, mais c'est pas aussi confortable qu'un vélo avec une selle basique, je trouve, sur mon utilisation personnelle. Maintenant, c'est pas désagréable non plus, hein. C'est correct, hein. Je refais un test sur l'assistance. Là, hop, je fais un tour, deux tours, trois tours, et là, il se lance. Voilà, vous voyez? Là, quand vous êtes lancé, trois tours de pédale, il m'a fallu pour que le vélo se lance. Donc, c'est... Oh putain, mais c'est mouillé par ici, mon gars. Ouais, est-ce que j'ai encore été me fourrer, moi? Putain. Oh, il y a un chevreuil. Je sais pas si vous le voyez juste en face. Bah, c'est sûr que vous le voyez, en fait. Viens, mon titi. Je vais essayer... Oh, il est parti. Je vais le rattraper. Je vais le rattraper. Oh bah il est parti. Oh il est juste là. Regardez. Bah je pense que vous l'avez vu. Et où Titi? Oh bah il est là. Il est coincé. Bah alors bon les mecs. Alors attends, on va se calmer. On va pas passer en vitesse 5. Je vais rester en vitesse 1. Mais voyez que bon, au niveau du lançage de l'assistance électrique, si je puis dire ainsi, voilà, je pense qu'on a assez fait le tour. Mais vous voyez que c'est un vélo qui va se lancer tout doucement. Il se lance tout doucement, mais il se lance. Voilà, une fois qu'il est lancé, il se lance. Alors après, au niveau des suspensions, bon, suspension arrière, les mecs, là, tout de suite, pour le coup, inexistante. Je pense qu'à mon avis, c'est normal, le vélo, il sort du carton. Tu vois, les suspensions, il faut toujours que ça se fasse un petit peu. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, la suspension va se faire et vous allez commencer à ressentir les rebonds, quoi. Mais là, c'est vrai que tout de suite, elle est raide. La suspension avant, elle fait bien le taf. Alors, il y a quand même les phares qui tapent sur le garde-boue, j'ai l'impression. Voilà, c'est vrai que c'est pas tip-top. Bon, je pense après, suffit peut-être un petit réglage à faire ou quoi au niveau de la hauteur. Mais c'est correct. Voilà, la suspension avant marche très bien. La suspension arrière, là, tout de suite, dans l'état, je vous dirais qu'elle est assez anecdotique. Mais à voir avec le temps lorsque ça se fera. J'ai ma caméra qui se fait la malle, non? J'ai l'impression. Bon, sinon, niveau confort, ça reste correct, les mecs, hein. Franchement, ça va. C'est correct. Ouais, ça accélère quand même pas mal, hein. Le vélo est assez nerveux. Il met du temps à partir. Il se lance progressivement. Mais une fois qu'il se lance, bah, il se lance. Oh, putain, mon gars. Là, on passe en session cross. Voilà, parfait. Ça reste un vélo qui est agréable pour la balade. Après, c'est vrai que si je devais revenir sur le confort, là, tout de suite, pour moi, vous voyez, je suis tout le temps un petit peu en train de chercher ma position ou quoi. Je me vois mal faire 150 bornes sur une selle comme ça. Voilà. À moins que tu aies, je sais pas comment qu'on appelle ça, là, vous savez, les fourcus, là, les trucs, je sais plus comment on appelle ça, les trucs de cycliste, là, voilà, là. Tu mets un truc comme ça, ouais, pourquoi pas. Mais là, je vous dis, moi, la selle, je la trouve quand même pas mal raide. Ça dépend sûrement de l'utilisation à chacun aussi, hein. Moi, c'est vrai que j'ai vu des vidéos sur le vélo et avant de le recevoir. Et voilà, il y en a qui disent, ouais, la selle, elle est super confortable et tout, machin, là, c'est super pour pédaler. Voilà, bah écoutez, peut-être que les autres, ils ont les fesses carrées. Moi, du coup, vu que j'ai les fesses rondes... Ah bah ça suffit, oui. Alors, avec mes fesses rondes, peut-être que ça matche pas avec la selle, hein. Je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de vent, les mecs. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, je dis ça à chaque fois, mais en fait, je crois que le micro, il coupe bien les bruits du vent. Donc, c'est cool. Alors, pareil, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est au niveau des phares. Alors, les phares, ils éclairent très bien et tout, nickel. Mais dès que vous allumez le vélo, les phares resteront constamment allumés. C'est-à-dire que vous avez juste une petite bande LED qui reste allumée constamment. En fait, comme sur une vraie moto, quoi. Voilà, normalement, vous devez toujours avoir... vos codes d'allumé ou les veilleuses, je ne sais plus exactement, mais vous devez toujours avoir vos phares d'allumé. Et bien là, c'est pareil sur le vélo. Lorsque vous allumez le vélo, tout le temps, vous avez une petite LED qui reste allumée. Après, vous avez un mode plein phare sur le vélo. Alors, plein phare,
Attention, hein, c'est pas non plus des phares de camion, hein. Mais ça éclaire très très bien les mecs. Vous voyez par exemple, je fais le test à l'instant là, si j'appuie sur le frein, donc si j'appuie, c'est comme tous les vélos, l'assistance électrique elle se coupe automatiquement. C'est genre un mode d'arrêt d'urgence. J'appuie et vous allez voir le nombre de tours de pédale qu'il faut pour que le vélo se relance. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 5 tours de pédale. Hop, là l'assistance elle reprend le relais. Donc après ça c'est une fois que le vélo il est lancé. Bien sûr tout ce que je vous dis là, à mon avis c'est des réglages que vous allez pouvoir changer au niveau des programmes du vélo. Si vous voulez qu'il y ait moins de tours de pédale à faire, si vous voulez que le vélo ait plus de patates au démarrage, qui vous emmène tout de suite, moins vite, plus smooth. Tout ça c'est des réglages qui peuvent se faire dans les programmes. Je pense, hein, voilà, c'est comme sur tous les vélos électriques en fait les mecs. Hein. Je ne suis pas rentré dans les programmes spécifiques de celui-là. Mais voilà, ils ont tous des options comme ça. Là regardez, petite montée et depuis tout à l'heure les mecs, depuis le début, je n'ai pas bougé de la vitesse 1. Voilà, sauf tout à l'heure où j'ai voulu rattraper le chevreuil. Mais voilà, regardez, vitesse 1, là on arrive sur une montée. Bon, vous le voyez, voilà, je suis même déjà dans la montée. Je suis déjà dans la montée. Là, ça monte encore un peu mieux. Le vélo est toujours à 21 km/h, à 20. Voilà, 20, 19. Mais franchement, je fais semblant de pédaler. Hein. Voilà, bah, je pédale comme un flamant rose, les mecs. Hein. 19, 18, voilà, 18, 19 dans la montée. Et aucun problème pour monter. Et je suis vitesse 1, les mecs. Hein. Vitesse 1 qui est largement suffisante pour faire de la balade. Hein. Voilà, je vous dis, en vitesse 1, vous plafonnez à 21 km/h. Voilà, 21, 22 là, sur du plat. C'est très correct, les mecs. Hein. Le vélo est stable. Voilà, si je lâche les mains, nickel. Bon, je fais pas trop le malin quand même parce qu'il y a des nids de poules. Ça, ça va dépendre. Il y a certains vélos où voilà, tu peines à lâcher les mains. Hein. Alors là, regardez les mecs. On arrive dans une bonne montée. Vous le voyez, je pense, en face de moi. Avant la bonne montée, il y a la descente. Mais on va pas prendre d'élan. On va faire la montée à la pédale et en vitesse 1 seulement. Voilà, hop. Je commence à pédaler. Un tour, deux tours, trois tours. Il se lance. Je suis vitesse 1. Aucun problème, je suis à 19 km/h. Voilà, on est quand même sur une bonne montée là. Et 19 km/h sans problème. Donc franchement, le vélo, il m'emmène bien. Pour ce qui est de l'autonomie, pour l'instant, j'ai fait 13 km avec le vélo. Donc bah, l'autonomie, elle n'a pas bougé. Bah, en même temps, j'espère bien. Mais pareil, au niveau de l'autonomie, ça va dépendre du poids que vous allez mettre sur le vélo. Si vous allez prendre beaucoup de montées, si vous avez le vent contre vous. Si vous prenez des chemins de terre, vous roulez dans l'herbe, le sable, je sais pas, bah le sable à éviter les mecs. Hein. C'est pas que le vélo il ira pas, hein, loin de là. Hein. C'est juste que vous allez sucer la batterie 15 km, il n'y a plus de batterie. Hein. 15-20 km. Après, c'est vrai que c'est agréable de rouler sur la plage à marée basse. Moi je sais que je l'ai fait quelques fois et franchement c'est cool. C'est sûr que si tu t'en vas t'enliser dans le gros sable et tout, là tu vas pomper toute ta batterie. Par contre, ouais, si tu passes sur la marée basse tranquille, sur le sable mouillé mais dur, je pense pas au final, bon forcément ta batterie elle va s'user un petit peu plus vite que si tu roulerais sur l'asphalte, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas s'user en 2-2. Bon les mecs, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le Enjoy M20. Donc comme d'hab, si vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description, n'hésitez pas à les checker. Au niveau tarif, comme je vous l'ai dit, on est sur 1400 €. Mais après, n'hésitez pas à bien checker, il peut y avoir des promos à 1300 €. Oh, bah encore un chevreuil, tiens. Ah bah, ils sont tous de sortie aujourd'hui. Je vais le rattraper celui-là. Oh, il est juste sur le bord. Oui, on va le taper. Non, oh, il est parti. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des prochaines aventures. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut !